Bonjour, c'est Grifox. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit colis contre mon fameux adversaire, le fameux Xelor Aromagom, que j'ai déjà affronté pas mal de fois. Je crois qu'il m'a jamais battu en fait, hein. J'ai repensé, ou peut-être une fois il y a longtemps, je sais plus trop. Et là, c'est un petit peu spécial parce que cette fois-ci, je l'affronte avec ma team qui n'est pas du tout ma team habituelle. Et je risque d'avoir beaucoup plus de mal à le gérer, parce que j'ai pas le Fekka. Et en plus, le panda, je viens juste de le passer haut. Dans les deux précédentes vidéos avec le panda, il était terre. Et là, je viens juste de le remettre haut pour tester. Bon, bah, c'est quand même un petit peu. Bah, c'est déstabilisant, quoi. C'est un truc que j'ai pas l'habitude de jouer. On va voir comment on s'en sort. Est-ce que je tue l'arbre là? Oui. Hop. On va directement venir placer un Wasta. Voilà, je vais essayer de faire au mieux. Là, ça va être chaud à gérer quand même, je pense. Est-ce que je partirais pas sur un Focus Sadie pour faire un petit peu original? Au lieu de focus tout le temps les rôdeurs ou le Xel. On va essayer des trucs peut-être, on va voir. Hein. On va voir comment ça se présente. On va voir s'il me laisse son écho devant, c'est clairement lui qui va prendre le focus là. Alors, oh le bâtard. Le bâtard. Je suis con, j'aurais dû faire une épouvante sur le J. Très mal joué de ma part. Bon, ça commence mal. Ça commence plutôt mal. Ouais. Comment je vais faire moi? Je vais mettre un roquette ici. Parce qu'il faut que l'arbre soit clean assez vite si possible. Hop, voilà, ça fait l'arbre il dégage, c'est parfait. Et on est parti un tout petit peu sur l'Eka qui va probablement venir me placer directement à l'érosion. À moins qu'il cherche à y aller sur un burst. Donc le panda qui est haut, hein, c'est pas mal. C'est bon pour l'instant, tout ça c'est pas très opti, c'est plutôt pour tester. Mais ça reste correct. D'accord, donc il tape le Wasta, il a pas envie de se faire embêter dans le combat. C'est pas mal, hein, c'est pas bête du tout. Même si ça aurait peut-être été plus intéressant de tuer le Rocket. Je saurais pas trop dire. Bon d'accord, il est parti là-dessus. Moi je vais poser tranquillement mon jeu. Ouais, on va stimuler le J qui n'a pas besoin d'être debuff. On va peut-être faire un petit une petite préve sur le Rocket parce que ça, si ça reste en vie, c'est extrêmement puissant. Et ensuite, je vais venir me placer comme ça en prévision d'éventuel retour en arrière de la part du Xelor. Bon, c'est pour l'instant rien d'incroyable, hein, vous avez bien vu, mais on fait ce qu'on peut. Bon, alors là, en revanche, j'ai le panda avec tous ses PM qui va débarquer dans le tas. Panda qui tape quand même relativement fort. Bon, il a moins de rocks que le panda terre, hein, c'est ce que j'aimais beaucoup sur le panda terre, c'était la capacité à mettre des dégâts extrêmement élevés avec la panda attaque et le chaleuil. Ah, il debuff le rocket, d'accord, donc j'ai bien fait de lui mettre le. J'ai bien fait de lui mettre le mot de prévention, ça l'a forcé à lâcher le debuff. Alors, qui est-ce qu'on va focus? Va falloir faire un choix maintenant. Hein. Je pense qu'on va partir sur un focus Sadie. Au moins temporairement, parce que pour l'instant je peux pas faire grand-chose de mieux. Voilà, comme vous le voyez, les dégâts sont vraiment corrects. Est-ce que je me mets là? Allez, on va rester un petit peu à distance avec le panda pour l'instant. Bon, il a que 27% haut, hein. Les res haut souvent ça pêche sur beaucoup de persos. Bon, moi ça va, mais là voilà le 27 qui peut lui porter préjudice. Alors qu'est-ce qu'il va me ramener qui là? Le Jinak. Me ramène le Jinak, c'est bizarre ça. C'est un peu bizarre parce que bah, le Jinak est juste après en fait. Donc à la limite, ça me dérange pas. Ça me dérange pas son affaire. Alors par contre, moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est un peu la panique là. Hein. Est-ce que je continue à healer sur le Sadie? Ou est-ce que j'érode les K-Flip? Bon, on n'a qu'une vie, de toute façon, là je m'en fous, je rush pas de ladder ni rien, donc on va tenter d'y aller sur le Sadie comme ça.
Et puis ce sera pas mal. On va aller chercher l'émeraude. Alors le Rocket qui ne tape pas, il a dû se faire ralpa. Par contre, ça m'embête énormément qu'il se mette comme ça. Voilà, pour le coup, ça me fout dans la merde. Bon, c'est pas grave. Moi, je me prends beaucoup de ralpa, mais ça devrait pas trop être un problème parce que là, le combat, il a l'air de assez se recentrer vers sa team. Et comme le panda il a une bonne mobilité et Lenny est relativement proche, ça devrait aller. Sauf si après il vient me remettre à distance avec le Xelor, mais j'ai pas l'impression qu'il ait envie de faire ça. Donc on va voir. Donc là j'ai pris combien? 15% d'érosion pour l'instant. Le chaton. D'accord, bon, il a envie de soigner son Sadie au maximum. C'est tout à fait compréhensible. Bon, moi je vais pas stimuler le panda parce que ça servira à rien. Ça ne servirait à rien du tout, on va partir là-dessus. On va tenter un focus study, hein. J'ai jamais fait de focus study je crois, donc ça sera l'occasion de tester. Est-ce qu'on balancerait pas un petit retrait PA comme ça? Allez, bon ça passe pas extrêmement fort mais c'est toujours ça de prix. Et qu'est-ce que j'ai d'intéressant à faire ensuite? Allez, on est parti pour mettre un petit RALPM. Sur le Xel, bon, j'aurais pu mettre un mode frayeur sur le Rocket, hein. J'ai mal, enfin j'ai pas spécialement été attentif à compter mes PA. C'était plutôt mal joué de ma part. C'est pas grave. Alors là, le panda, il va être clairement obligé d'aller tuer la folle, et avec ses dégâts sur les moins 5% haut, ça va être assez efficace, je pense. Alors, d'accord, il tue le Rocket, bon, ça lui a pris presque un tour entier. Je pense qu'il va le terminer, ce serait bête de s'arrêter là. Après moi je vais pouvoir le soigner. Ouais. D'accord. Alors là en revanche le placement m'embête pas mal. Parce que moi là je peux rien toucher. Hein. Je peux rien toucher. Il y a ce Doppel qui m'embête. Ah. Bah oui. J'ai un panda. Et je suis pas encore habitué mais c'est quand même sacrément pratique. Hein. On va pas se mentir. Je vais me mettre comme ça. Parce qu'avec mon petit panda, eh ben, je peux aller chercher des dégâts comme ça, moi. Pouf, c'est efficace, hein. Est-ce que j'ai une chance de tuer le Sadie, là? Sadie qui a encore vu le nez. Eh ben, dis donc, si je le tue comme ça. Ce sera remarquablement efficace et beaucoup plus simple que d'autres colis que j'ai pu faire contre lui qui ont été interminables. Ah, je peux pas. Je peux pas le finir. C'est pas grave, on va y aller comme ça. Hop. Eh, c'est vraiment à pas grand chose, hein. C'est à pas grand chose. Bon, là, il va probablement lui mettre une chance. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir avec... Là, il va chance, probablement. Et auquel cas, au tour suivant, il pourra faire un don naturel pour gérer les dégâts du retour de chance. Donc en faisant comme ça, c'est possible qu'il s'en sorte pas trop mal. Bon, mon Nuji qui prend toujours des dégâts. Ah, le chaton, ça m'embête pas mal, ça. Alors moi, de mon côté, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Il faudrait que je tue sa folle, hein. Mais je suis pas sûr d'avoir assez de dégâts pour la tuer, en fait. Il faut que je tue son chaton aussi. Voilà, bon, le chaton est tombé, et maintenant, est-ce que je peux tuer la folle? Bon, là, j'aurais de toute façon pas de quoi la tuer. En revanche, je peux peut-être la mocher, est-ce que ça vaut la peine? Allez, on va y aller comme ça, hop. Voilà, il faut quand même que je puisse la tuer assez facilement, comme ça le panda il aura plus qu'un petit coup à lui mettre. Normalement ça devrait suffire pour la terminer. Bon, ça joue un Dokoko en face, là ça va se soigner à mort. Jusque là c'est logique, en revanche, si il change pas le placement, là le panda il va pouvoir chercher une magnifique zone. En mettant la folle alignée avec l'Ika et le Xel et on va balancer de la vague à l'âme là-dedans, ça va être jouissif, moi je vous le dis. Alors, ok, il repousse. Qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il a vu le danger de la zone là? Bon, enfin, je dis le danger, mais il n'y a pas de danger immédiat, mais ça va me permettre de lui mettre énormément de dégâts. Ça va dépendre aussi. Ah oui, si je me prends du RALPA, ça va m'embêter. Ça va dépendre de comment se placent ses invocations. Ce serait bien qu'elle vienne s'aligner toute seule là. Oh, c'est beau ça, non? Je prends moins 1. Eh, c'est magnifique. C'est magnifique ça.
Ouais. Bon, du coup, la folle, c'est peut-être mieux. Enfin, je vais y aller comme ça, hein, clairement. Hop. Là, mon Eugeniac, il est un tout petit peu embêté, on va dire, mais c'est rien de bien grave. Tiens, toi, va-t'en. Hop. Voilà, comme ça, l'Eika va pas pouvoir aller rush le Eugeniac, à moins que le Xelor rétablisse la proximité entre ces deux persos. Mais s'il fait ça, ça va déjà lui prendre quelques PA. Voilà, bon ça limite c'est pas plus mal parce que du coup mon panda il est assez libre de ses mouvements. Bon faut pas que je parle trop vite. Faut pas que je parle trop vite parce que les placements ils changent toutes les 4 secondes. Alors, ok, la synchro qui pète, ça fait mal. Mais bon, au moins c'est une bonne chose de faite. J'aurais peut-être pu la tuer avec le panda, ça aurait peut-être été mieux. Hein. Mais bon, j'ai aucun perso qui est suffisamment amoché pour que je puisse me considérer en danger. Moi de mon côté je peux continuer à le taper tranquillement. Je peux même repartir sur un focus Xel éventuellement. Est-ce que ça en vaut la peine? Ouais, on va faire ça. Parce que le Xel il est toujours de toute façon dans la mêlée alors que les Flip il pourra facilement aller s'éloigner. Et d'accord. Donc là, il y a le retour de chance. Et il a pas fait de dents naturelles. Oh, roulette Intel en plus avec mon Eni. Bah là, son petit Sadie, il est pas bien. Il est pas bien. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Alors, ce qu'il pourrait faire, ce serait un esprit félin sur le panda pour venir tacler mon Eni. Ce serait la seule manière qu'il aurait. Voilà. Il le fait. Il a bien raison. Mais est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que ce sera suffisant? La réponse est non. Parce que moi, je peux faire ça. Et ouais, je peux faire ça. Et je peux même faire ça avec du soin. Hop. Hop là! C'est pas beau ça? Moi je trouve ça plutôt sympa. Et bah dis donc, le focus Sadie il sortait un peu de nulle part, mais il s'est révélé plutôt efficace. Qu'est-ce que je fais moi? On va partir là. On va faire un truc un peu safe tranquillement. On va venir chercher les petits dégâts de zone. De toute façon, là concrètement, je suis pas vraiment en danger. Allez, on va mettre un petit peu de coup droit joueur. Ça me fait de la régène, c'est pas mal. Ensuite, je peux mettre une picole. Donc là, le panda n'est pas du tout en difficulté. Bon, aucun de mes persos, en fait. Hein. Là, je suis complètement safe. Et j'ai envie de... Enfin, normalement, je dis GG well played, mais... Bah, concrètement, il a même pas joué, là. Enfin, c'était un peu expédié. Bon. Eh bien, soit. Hop. Bon, et bah ça fait plaisir hein, de tomber ce genre de joueur aussi rapidement. On va lui faire un petit commentaire quand même. Oh, un colis contre ce genre de mec en 5 tours, c'est assez rare hein, quand même, on peut le noter. Il est AFK ou quoi? D'accord, je pense que là il a tout simplement pété un plomb. Bon, c'est compréhensible. Hein. C'est tout à fait compréhensible. Moi je suis à 17 PA. Bon, on va l'out-off. On est parti pour. Il est content en plus. Bah oui, je suis content. Heureusement que je suis content, je viens de gagner. Eh. Quand même. Hop. Ouais, très bien. Hop. Bon, on va terminer tranquillement. Je suis content parce que là, on est en. Il est actuellement 2h41 à l'heure où je vous fais cette vidéo. Et en plus, je bosse demain. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi je suis en train de jouer à cette heure-ci, eh ben, la réponse, elle est complètement incroyable.
Enfin bon, c'est pas non plus l'histoire du siècle, mais en fait, il y a un film qui est en train d'être tourné chez moi. Et à cause des problèmes de son et tout, je peux pas faire ce que je veux quand je veux, faut pas que je les dérange. Or, je suis allé courir tout à l'heure et donc j'attends de pouvoir me doucher depuis à peu près 3h, 4h là. Donc, une fois qu'ils me donneront le signal, je pourrai y aller et ensuite je pourrai dormir tranquillement. Mais en attendant, on fait un petit massacre en colis, c'est cool aussi. Allez hop! Ça dégage. Eh bah dis donc, Lenny, hein, qui prend de la cote petit à petit, on se retrouve là à 5098. J'ai une journée plutôt efficace, bon j'ai fait un petit fail, mais que j'aurais pu éviter largement. C'est pas grave, je suis en train de prendre la compo en main. Et ouais, putain la vache, c'est Lenny que je viens de créer qui a monté en cote à une vitesse folle, quoi. Et à mon avis, c'est pas fini. Bon, bah, c'est plutôt concluant hein, pour le Panda O. La capacité à mettre des dégâts au vague à l'âme sans avoir la ligne de vue directe sur l'ennemi, c'est très très intéressant. Ça me plaît bien. Bon, on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à vous abonner. Moi, je vais pas tarder à aller me coucher et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!